Tiens vraiment pile haïtien que t'es soif pour yo té wè mesdames sa yo pour té toucher yo pour té communiquer ensemble avec yo pour té garder mesdames yo en face parce que yo té fait la gloire yo té fait honneur pays d'Haïti dans mondial ça t'est organisé dans pays la France. C'est vrai, équipe féminine nan li éliminé, sélection li éliminé dans compétition après 3 défaites, c'est 3 matchs joués mais yo perdu tous les 3 matchs. Devant la Chine, yo perdu 2-1, devant Nigeria, yo perdu 1-0 et devant l'Allemagne, yo perdu 3-2. Bon, paradoxalement, mesdames yo perdu match yo, du moins ce que nous éliminé, mais non, mesdames sorti dans la compétition avec la tête haute et c'est ça et haïtien fêté et non obligé de retourner. Alors encore une fois Haïti fait l'histoire dans l'histoire Coupe du monde, Haïti fait l'histoire, nous retourner et là et son on l'autre page qui marquait puisque et Nerilia c'est première femme dans Amérique centrale là qui baillon pareil prestation non compétition non phase finale Coupe du monde et Jean Haïti sorti là Haïti pas sorti honte c'est vrai nous connaît défaite mais pas sorti honte et la FIFA yo honoré et joueuse haïtienne là et qui dans occasion et dans match Allemagne là qui était joué nous songe jeudi dernier qui sorti Jean sorti à Nerilia li honoré et Wesley Antoine li marqué l'histoire li passé dans l'histoire et en pile monde fait de promesses en pile monde et accueilli pendant fait choix yo fait de bagay, yo annoncé de bagay, mais gen l'autre avis contraire et éventuellement t'as qu'à aller dans même sens là tout, mais qui ouais et à promesse ça ou dans l'autre phase, dans l'autre sens, qui ouais nécessité pour que c'est l'État qui prend en charge le football haïtien, pour que investissement qu'a fait dans football là c'est pas de investissement disparate et que chaque monde a fait un petit bagay sous côté, chaque monde a promet un petit bagay sous côté, tant qu'on gagne de monde qui promet pour payer on gagne monde, alors on monde promet pour le payer université pour yon gagne jouer même quand il pas désigné pour le dire qui est, gagne smartphone qui promet. Et là, l'aime parler de smartphone, moi président chambre député a qui promet que a bien smartphone pour chaque mesdames Delimart, docteur Reginald Boulos, lui promet que Delimart offrit pendant une année pour alimenter mesdames en alimentation, en provision alimentaire. Oui. Et là, pour la chambre des députés particulièrement, bon, moi me fais un commentaire pendant la semaine ça, me dis bon le tap plus sage pour que non cérémonie pour te saluer arriver mesdames yo que la chambre des députés t'ai invité yo pendant que même yo invité yo et puis le ça nous font un geste avec ça arriver son panier fleurs nous offrir yo et puis pendant nous offrir fleurs en dans panier t'ai gain téléphone bon, comme journaliste c'est et une entité qui curieux eh ben avec curiosité eh ben du journaliste dans détail information on nous rap dit bon dans panier t'ai gain si t'ai gain ça t'ai gain les machines t'ai gain Andi te gagne smartphone woman ça ndi kala gel la dan nous pas besoin au moins annoncer ça à toute la république que la chambre des députés a réservé un smartphone pour chaque joueuse dans sélection et même Jean li di sa main gauche bay main droite pas besoin qu'on ait sa main droite bay main gauche pas besoin qu'on ait ainsi et vice versa mais c'est d'une façon pour nous dire qui ça que la chambre des députés c'est une branche du parlement et force au quoi et par transitivité, ils ont branché dans le pouvoir l'État à pays. Dans trois pouvoirs l'État, dans un système démocratique. Et si la Chambre des députés, c'est une branche pouvoir l'État, qui donc, Chambre des députés, c'est un pouvoir de décision et autres. C'est vrai, pour exécuter, c'est l'exécutif, mais à côté de mission de légiférer que la Chambre des députés détient, ils ont gagné possibilité pour voter loi et pour implémenter. Simda Kabdi de pour implémenter l'État côté faiblesse yo ya pour exploiter côté faiblesse yo ya pour renforcer capacité l'État pour au moins nous faciliter que nous baillons l'État service qui a bas résultat. C'est dans dimension ça moi même wel Gary Bodo et li écrit sur page Twitter li sur des chances de garder pendant semaine ça il dit bon un smartphone qui réservé à chaque mesdames même au-delà de simple geste que chaque monde a sorti avec un smartphone moi même regarder qui si téléphone yo alimenté si yo renfloré si compte yo renfloré moi même river dans dimension ça même regarder étant donné c'est une sélection haïtienne et c'est une partie à part entière de l'État on dit des trois pouvoirs de l'État ben on
regardé et chambre députée a cap seulement font geste. Le parlement accueille les joueuses et puis ils font un geste et puis dans salutation et pas connait et puis nous ba yo des bagailles et puis un paquet nous ba yo et puis une des possibilités pour la et dans la presse même qui a annoncé que gain smartphone. On dit comme ça besoin dans explication dans détail dans 5 W qui gagne dans rédaction dans reportage là et dans dimension ça moi-même moi exactement Tom. Moi ça m'a pas ajouté dans intervention en fait sur question ça c'est que sélection féminine U20 montrer on l'autre fois encore Tom parce que sportif nous généralement toujours montrer nous si l'État haïtien, si dirigeant nous yo offri yo bay encadrement nécessaire à jeunes qui gen dans pays ça, et ben nous ka fan pile bagay. Parce que mesdames yo sont montré que et ben l'on parle de Haïti parce que très souvent gen moun gen étrangers surtout les autant de parler de Haïti au plus ouais aspect négatif là parce que c'est image ça au 22 pays. Mm-hmm. Yo ouais son pays pauvre côté grand pile fatra pile monde dans grand goût dans misère son pays qui instable politiquement. Et ben c'est généralement à travers le sport que nous toujours voyez une image positive de pays. Et ben sélection nationale U20 on se montre l'autre fois encore si vraiment dirigeant nous yo gain vision pour jeunes qui constituer de population ça en majeure partie si vraiment une politique de jeunes si vraiment vrai nous té sport té une priorité parce que on toujours dit ça nous charge à talent mais c'est qui ça nous fait avec eux c'est qui encadrement nous ba Gwetom, sélection U20, c'est la première sélection féminine dans les Caraïbes qui a participé dans la phase finale de Coupe du Monde. Mm-hmm. Ouais, donc, c'est son grande première liée. Et Nerilia Mondesirto, venu premier joueur haïtien qui a marqué 2 goals dans la phase finale de Coupe du Monde et qui finit meilleur joueur. Alors, 2 goals, c'est non seul match. C'est non seul match parce que tu as gagné et alors, en face la Chine, c'est Nerilia. Oui, en face de la Chine, c'était sur penalty, où il était marqué un goal, et puis face à l'Allemagne, il a marqué 2 goals. Donc, c'est le premier joueur tout haïtien qui finit meilleur joueur au match de Coupe du Monde. Ouais. Donc là, je pense que nous avons pile bagay, nous avons talent pour ça, nous avons monde pour ça. Maintenant, différents gouvernements qui passent dans ce pays, c'est qui plan vous avez pour la jeunesse haïtienne? C'est qui plan vous avez pour le sport, qui politique sportive yo gen. Nous sommes sous présidence Michel Martelly. T'es une volonté pour te faire quelques infrastructures sportives. Mais nous avons qui j'en a passé. C'est des petits bouts de terrain qui auraient les stades. Alors que le peuple là, il n'est pas égaré, nous n'y pas égaré, tout le temps il y a regardé football dans la télévision, il y a regardé championnat d'Espagne, il y a regardé championnat d'Angleterre, il y a regardé Coupe du Monde, il y aurait qui ça comme stade de football. Pour exemple, il y a un stade Mibaléa, on ne dit pas que sportif Mibaléa, qui était non état de délabrement, et puis n'empêche que monsieur font un petit bagage sur le côté, ils ont l'autre espace qui fait, et où est le stade là. Yo quitté pax sportif mais bala de côté al fond l'autre bagaille yo pas réparé yo pas fait intervention là-dedans et puis yo fait yon sous côté là et c'est des bagailles qui pas c'est bagailles qui fréquenté moi Mose Dili et même si non même sur grand groupe Antoine ça pas autorisé pour aller faire travail pour manger ça veut dire si il gagne des bagailles n'a fait qu'une fait nous fait à la hauteur de passé glorieux que nous gagnons. Oui. Parce que l'histoire dit nous faire l'histoire. Oui. Yo dit nous faire l'histoire et j'en nous fait l'histoire et tout pays dans mode là parler de l'histoire que nous de façon nous faire l'histoire. Nous c'est premier peuple noir en dit nous c'est Haïti c'est maman liberté. Oui. Nous c'est peuple qui bail directive là. Il suffit que nous-mêmes que nous tracer que nous montrer nous à la hauteur de ça nous-mêmes nous offrir. C'est juste une parenthèse par rapport exactement. À la question. Exactement. Et
Bon, depuis qu'il est homme, depuis qu'il est nous on sel petit bout de stade là, stade Silvio 14, par contre qu'on a dans match en bas d'homme parce que moi-même longtemps qu'on a dans match très souvent bien que qu'on y a mal suivre match championnat national encore, c'est plus les sélections nationales là je mal dans stade là. Et ben sous pas dans tribune dans homme, c'est dans gradé en aller si match a fait à 5h à 6h. Mais si on aller ou accompagner de madame ou homme, là gagne pile difficulté pour le chita parce que son bout de ciment qu'on a chaleur qui vient bien chaud. Si moun nan pa konti serviette pou chita, mais la très difficile, la très mal à l'aise. Donc nan engouement qui gagne après prestation mesdames, c'est vrai, nous éliminer, nous perdre tous les trois matchs. Mais nous ouais, joueuse nous on fait tout ça au capable, bay tout yo même. Et football là c'est ça lié tout. C'est monter terrain, fait sa doué faire. Sa gain pour faire. Fait sa gain pour faire, bay tout ou même et puis reste là pas dépendre de vous. Si mesdames yo vini yo jouer football tom, yo bay tout yo même. Et très souvent on ka dit c'est malchance ou bien on ka dit c'est pas au moment pas nous parce que en dimanche tom dimanche dernier et d'après l'église et pendant me fin habillé m'a tan madame moi me font si camper devant télévision laisse ça moi c'est sélection brésilienne qui t'a joué face à Corée du Nord. Et puis m'a regardé et ces mesdames brésiliennes on dit mais joue pas nous yo fait pour base yo fait mieux yo fait autant que brésilien yo comme si dans prestation ouais dans expression football que m'a regardé sélection brésilienne t'a joué dit mais t'es pas mieux sélection haïtienne non il fait autant. Alors on dit football moderne aujourd'hui aussi Antoine c'est l'argent le besoin c'est investissement on prend exemple ça déjà dans micro signal dans espace ça on prend micro et sous on fait commentaire là déjà on regarder la France qui est champion mondial et pour jeune masculin Ania moins ouais on comprend yon bagay. Plusieurs équipes nigériennes alors africaines participer dans compétition dans mondial là et parmi eux Nigeria. Le Nigeria nous songeait qu'éliminé en face à Argentine. C'est deux équipes noires. Et Marine Le Pen te dit bravo à l'équipe africaine. Mais et pendant le dit bravo à l'équipe africaine, pour qui ça? Et oui. Et il y en a un élément qui m'a retenu. L'équipe française là, on dit son mélange lié de couleur, de peau. Et l'un prend plusieurs joueurs qui dans l'équipe française là, c'est deux africains. Mbappé. Et N'Golo Kanté, qui est encore, et pour me citer ça seulement, et Paul Pogba. D'origine africaine. C'est d'Africains, en quelque sorte. Que ça fait en France? Que ça, c'est pas un Ogun fait qui vient avec eux en France, qui ont été piti. De toute manière, c'est d'Africains. Pour qui ça, c'est pour une équipe du continent même, oui. Comme si qui sortit en Afrique, dans Trump, Nigeria, avec l'autre encore, qui champion? C'est mélange là qui baille champion là qui baille champion à la France. Fini par conclure. Football là c'est l'argent. Oui. Et que monsieur Joanne sort gain besoin, ça y a gain besoin et puis au baille résultat. Exactement. Et c'est ça, je pense qui est fondamental. Donc on a posé problème stade là, puis on ouvre parenthèse là pour me dire que gagnent Patrice Dumont et sénateur de la République. Qui t'a lancé une initiative dernière fois et qui lancé fondation et tout pour eux. Mais c'est dans Pétionville qui t'a lancé. Et l'objectif là, ou bien un objectif principal là, c'est à ce que nous doter pays à un stade moderne. Ok? Nous doter pays à un stade moderne, il y a collecté fonds pour moins ce pays à gagner un stade qui gagne capacité et qui a accueilli n'importe gros match, n'importe gros compétition internationale. Bien que nous, on se lance pas à faire une compétition là-dedans parce que ça peut arriver que des fois, match à coup là, et oui, pour ne pas abîmer trop, et il faut qu'on moins gagne déplacement. Tant qu'on le fait en Russie, c'est plusieurs stades, tant qu'on l'a fait en Brésil, il y a près de 12 stades qui sont disponibles et pour capable accueillir et ensemble de matchs qui vous faites. Nous avons besoin d'un. Nous avons besoin au moins d'un. Parce que l'un des stades de 14 sont remontés à la période de. Je ne sais pas exactement la date. C'est l'année 60 ou 50, soit 52 ou 62. Ok? Éventuellement, et Pépé et Karin pour lui capable de compléter pour nous ou bien pour tes précisions pour nous. Justement. Alors, et à ce niveau, vous me passez investissement li nous besoin un investissement colossal dans ce sport là et pas seulement ouais l'état et dans ça moi secteur privé des affaires là parce que monde qui a brassé l'argent dans pays là bon pas prendre connotation négative là monde qui gagne cob dans pays là
et grand pile stade, grand pile gros stade ou regardé à l'étranger. Tom, c'est pas l'État dans pays ça qui construit ce stade ça. C'est des entreprises ouais qui construisent ça. Par exemple, ou regardé stade pas beau ici à d'autres monde non Bayern Munich l'ou regarder stade Arsenal là ah, mais c'est pas gouvernement dans pays ça qui construit stade ça yo, mais c'est des entreprises qui ont même qui a évolué sous terre qui construit stade ça yo. Même gens bon nous salue tout monde qui font geste parce que yo dit bah petit pas chiche à sélection UV même penser nous qu'a fait plus on me contrer haïtien ça qu'arrivé c'est 10 goudou kabay. Ça qui arrive, c'est 100 gouttes de cabaye, mais l'essentiel, nous baillons pour un fin. Mais, par exemple, nous avons parlé de un stade moderne que nous n'avons pas dans le pays, malgré nous dit football, c'est sport à nous. Mais l'autre stade, Silvio Cato, par exemple, nous avons parlé de problèmes et gradés côté que l'on a dans ce stade-là, c'est son bout Michou Chita. Mais en entreprise, qui a dit bon, mettez chaise dans le gradé. Ouais, l'homme qui vient garder un match dans ce stade-là pour se passer un bout Michou Chita. On dit que Brice Degadi m'a fait ça. Il laisse ça, c'est l'étape on plus gros geste. Ouais, parce que j'aime dire, bah, petit pas chiche, mais nous qu'a fait plus. Ouais, m'a qu'on est une entreprise dans le pays, ça, qui qu'a fait un travail comme ça. Ouais, qui qu'a venu, qui doit dire, bon, m'a mette chaise dans le gradé, dans le stade là, bien que le stade, c'est mais ça, c'est environnement stade là, il est en dégradé, donc c'est pas un environnement côté où t'as le stade, ou un cimetière qui tout colle à vel, marchand envahi. Donc, il est nécessaire pour un nouveau stade. Mais son minimum, nous avons fait pour aujourd'hui en 2018, le monde a un seul petit stade nous gagne pour au moins un minimum de confort. Parce que moi, j'aime dire que nous avons un stade là, même dans la toilette, nous avons besoin, nous avons pipi par exemple. Obligé de boucher, non. Ouais. Donc là, c'est une autre fois encore m'a félicité sélection nationale U21 pour prestation parce que même si nous éliminés, même capable de dire mesdames yo sorti la tête haute. Ouais, parce que yo pas venu là comme dit Nado, yo marche à panier, je ne dis à venir ramasser gol. Non. Et yo délivré trois belles prestations et même match et Nigeria Tom quand on t'a regardé l'ensemble. Mais ou pas ouais équipe qui bat nous, oui. Non, ouais équipe qui bat nous. Ah non, et rappelez tout pendant la semaine ça, c'était week-end dernier, c'était le 12, hein, et c'était journée mondiale de la jeunesse, une journée qui était décrétée depuis 1999 par l'Assemblée des Nations Unies. C'était Andy Jodia, gain près de 1,8 milliard de personnes qui gagnent l'âge sorti 10 pour 24 ans. Et je dis avant, le monde n'a pas gagné toutes jeunes à eux. Hein, et 24 millions parmi eux, hein, yo pas à l'école, du moins yo pas scolarisé, et sous chaque 10 timoun qui vivent dans le monde là, et yo trouvé dans des zones de conflit. Gain stabilité politique, gain et problème accès à pour le travail, accès au limité pour participer dans vie politique paysan, dans vie civique là, on dit comme ça, et ça vient permettre que gon quantité nan yo qui chaque jour frappé par l'isolement en dans même pays en dans société qui a fonctionné. Alors c'était 12 août, Nations Unies a décrété journée ça, et l'Assemblée générale des Nations Unies en 1999, et il a été décrété journée ça, et puis qui chaque année il a célébré li pas gain trop, c'est une journée on dit Osley Antoine qui pas fait trop écho dans pays, et l'en garde tranche et d'âge jeune ça yo, et on dit c'est yo en pile bien que gon violation dans pays que nous pas jamais corriger, c'est le fait que la loi qui est imposée chaque 10 ans faut que nous compter pour nous combien monde nous y a, nous pas jamais arriver dans stade ça comme ça pour nous compte combien haïtien nous y a. Gagne monde qui a spéculé qui a dit c'est 12 millions, gagne qui dit 11 millions, gagne qui dit c'est 10 millions, mais c'est la loi qui mandait chaque 10 ans pour nous compter.
Et là, un problème sérieux que nous devons adresser. Sous pas compte combien ou y est Antoine, ou pas compte combien monde qui dans population ou pas qu'à planifier pour les tout. Sinon, on a fait des bagages disparates, on a improvisé et dans l'improvisation, on me dit qu'il y a deux malheurs qui arrivent. C'est soit dit plus parce que sortez doit dire ou pas dit sortez doit dire assez. C'est ça qui arrive dans planification que on a fait, nous pas qu'on a une planification, nous pour combien monde a planifié. Étant donné que nous pas compte combien nous y est, nous dit de manière aléatoire, nous 11 millions, nous dit nous 12 millions ou bien nous 10 millions, mais le fait même que nous pas en mesure pour nous dire combien haïtiens qui existait dans pays a d'ailleurs sous besoin base de données soit ici c'est un pigo exercice pour cap soumettre tête tout parce que pas gagner information ça. Oui. On va dans début du fait que nous connaît là gagner IHSI en bas institut de statistique et d'informatique qui là dans sous bicentenaire mais problème la jeunesse là et on dit jodi a même administration l'état yo pas en pile. Yo pas en pile mais même si nous pas en mesure pour nous dire combien exactement intégration jeune yo dans la vie politique pays a presque ça nous pas presque gain information sur lui bien que on a yo vinn en vieux discours qui dit bon jeune yo déjoué grand monde yo échoué là c'est une parenthèse mais ça fondamental pour décider pour planifier et c'est en fonction de quantité bouche qu'on gagne quantité tête que pays a gagne ça fondamental faut que nous gagne gens d'information ça yo et c'est fondamental et malheureusement tout homme j'en ai dit pendant la parenthèse que nous avons fait sous sélection nationale U21, ou pas gagner des dirigeants, ou pas gagner l'État vraiment qui a pensé pour les jeunes. Ouais, d'ailleurs, en pile dans le monde qui a quitté le pays pour le Chili, pour le Brésil, puis là, d'ailleurs, c'est des jeunes. Gagne parti à diplôme. Ouais, exactement. Patrice là. Donc ou pas gagner vraiment des dirigeants, ou pas gagner l'État vraiment qui a pensé pour jeunes qui l'a gagné pour compte. Et pendant semaine là, Tom dame des fois arrivé dans fête Saint-Clair et votre frère. Même saisi ouais des jeunes qui 14, 15 ans, 16 ans qui a petit plat dans mayo, petit bouteille clair dans mayo, il a fumé et puis kade yo la gen nan bamboche bon on disait prototype là aujourd'hui qui ta dwe dans la caillou ouais la caille maman yo papa yo mais qui 11h du soir minuit qui dans la ria ka fumé ouais qui la gen dans tout genre d'activité donc là tout c'est conséquence hein mauvaise gestion que dirigeant nou yo différents dirigeants qui passent dans tête pays a dans tête l'état fait qui fait nous rire là parce que si nous t'égons on politique vraiment de pour jeunes dans le pays a si nous t'offrions un minimum nous t'ka dit pas privé là et nous ouais dans qui gens c'est dans souris qui lagué ouais nous c'est dans filmé au lagué donc nous pas canaliser nous pas orienter journée jodi a si mon n'a saute l'école d'homme ou est son petit bouteille client qui dans bouda poche li ouais. Ouais, c'est sous place des chita, c'est tout genre d'activité. Alors, ministre de l'Éducation nationale, t'es metté en brigade, et nous promettant, mais c'était un objectif pour les communautaires, pour te visiter place publique, parce que premier élément, c'était deux élèves lycée, moi-même, moi, j'ai constaté, deux éléments qui gagnaient, deux petits mondes qui, pour une raison ou pour l'autre, ils ont pas rentré dans la classe, oui. Ça y est pour petits mondes lycée, ils ont renvoyé pour l'agent et l'école, et puis ces champs de masse là, ils ont chita, moi-même, j'ai gardé au cap bois éclairé, et je dis à, gagnaient police communautaire là, c'est un objectif yo. Et l'État en quelque sorte gagne pour responsabilité pour capable envisager si nous capable dit de mesures pour tranche d'aïsa Andito et Wesley Antoine c'est pendant semaine ça et il y a un élément qui fait actualité à ce rapport et cours supérieur des contacts contentieux administratifs sorti sous et kit scolaire scandale nous songer qui était écouté poste à Roosevelt Bellevue dans tête ministère affaires sociales et travail eh ben et rapport là sorti mais ça fondamental yo longe doit être sous ministre économie et finance là Judalix Patrick Salomon
qui lui-même tout ensemble avec directeur administratif dans le ministère des Affaires sociales qui au même c'est de monde qui visait qui dans viseur rapport là. Donc nous t'ai dit au début, il y a normal non cas de corruption comme quoi où est son seul monde ou bien on vise son seul monde ou sanctionne seul monde, mais faut regarder implication de l'autre monde yo. On dit son contrat qui était fait pour un montant 119 millions et de good et quelques centaines et rapport là justement il y a un élément dans rapport là monsieur fragment yo fractionné montant hein, alors que loi sous fonction publique alors loi sous passation de marché li dit qu'à partir de 25 millions de good c'est appel d'offre pour faire nèg yo font en sorte que gagne un petit groupe firme qui gagne contrat yo bay yo mais 20 millions ça gagne 24 millions ça gagne 24 millions ça gagne 12 millions et etc. Et même là encore top pas un contrat qui signé avec pas gagne qui n'aient qui engagé yo pas gagne qui engagé yo par contre gagne et comptable public non il y a une entité qui dépend de direction générale du budget en d'un ministère économie et finance gagne tout contrôleur financier yo pas approuvé contrat yo pas